Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Moi-même, Kenly Wilson, très content aujourd'hui pour rentrer la caillou pour me porter pour un autre numéro émission Mise au point. Mise au point, année ça, nous décrétons. C'est une émission qui a une double mission que l'a pas accompli particulièrement. Une mission à la fois éducative et informative. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans le cadre de mission ça, nous décidons de parler de jeunesse, engagement et politique. Et là, qui s'en a gagné de mieux dans le studio ça que deux jeunes pour nous parler de engagement jeune dans la politique pays d'Haïti. Nous avons avec nous Schultz Simsi Kazir, qui lui-même c'est secrétaire général de MTV Haïti, et nous avons Guito Sorel avec nous, qui est fondateur mouvement politique ensemble. Nous pour aller dans Port-P, nous pour aller faire un petit bas de bouche avec eux sur engagement comme jeune garçon et engagement la jeunesse globalement dans la politique pays d'Haïti. Qui vient commencer par saluer eux. On va commencer par Kazir pour nous dire bonjour et bienvenue dans l'émission Mise au point sur TNH. Bonjour Monsieur Vilsin, bonjour à toutes fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, chaîne Météo. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous parler d'un sujet jeunesse, engagement et politique. Souvent dans l'école, dans l'église, dans l'université, j'ai eu une chance de débattre ça parce que je m'engageais dans la politique bonheur depuis à l'âge de 20 ans. En 2015, j'étais candidat pour poste député dans la deuxième circonscription de Port-au-Prince. Et depuis 2019, j'ai gagné un plus gros engagement. D'abord, aux côtés du Dr Pierre-Réginald Boulos pour nous monter le mouvement ça, qui en pile monte qu'on est d'abord sous nos mouvements Troisième Voie, mais qui aujourd'hui avait dit Mouvement pour transformation et valorisation Haïti. J'étais d'abord coordonnateur national pour Usuali, jeudi à secrétaire général Li. Li bon pour nous discuter de ça et li très important tout parce que jeudi à nous besoin plus que jamais plus jeunes engagés dans la politique, mais nous besoin tout que engagement li fait sur l'autre base, on l'autre base de motivation citoyenne, sous base conviction, sous base en jeunesse qui a porté l'idée, qui a porté tout ça li gagné, qui a développé un autre regard et sous politique là et qui a appris tout l'autre rapport que li voulait développer avec société a pour li transporter dans l'espace politique là. Merci un peu. Choix Guito Sorel comme invité matin, li répond à une nécessité pour comprendre que c'est pas seulement jeune garçon et jeune femme dans Port-au-Prince qui a fait politique, mais des jeunes garçons, jeunes femmes qui engagé dans mouvement politique, dans bataille politique dans l'autre département, et c'est ça que fait la prendre direction nord-ouest, spécialement dans Port-P, chef lieu département ça, côté gagné un mouvement politique qui est ensemble nous pour aller que Guito Sorel fondé, et c'est d'ailleurs à titre ça je dis à Lila pour battre bouche avec nous sous jeunesse, engagement et politique. Bonjour Sorel, son plaisir pour nous gagner dans l'émission Mise au point matin. Bonjour Kenly, bonjour Monsieur Kazir, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale. C'est tout un plaisir pour que nous présent matin dans émission Mise au point pour nous parler ensemble avec auditeurs de nécessité qui gagne pour que jeunesse là impliquée dans les affaires politiques. Même j'en dis, moi c'est fondateur mouvement ensemble nous voilà et son mouvement qui fondé dans l'idée pour que réunir toutes jeunes dans le département nord-ouest dans une idée et commune pour nous garder ensemble comment nous mettre tête nous pour nous doter nord-ouest de non seulement notre classe politique mais pour nous orienter politique nord-ouest là vers l'autre direction. Bon, c'est son plaisir pour que nous là pour nous parler ensemble. Nous allons parler de nécessité qui gagne pour que jeunesse là implique dans les affaires politiques. Parce que la vie politique en pays, c'est toute affaire qui mène le pays à vont direction, vont très bonne direction. Parce que c'est politique pays qui décide qui route à qui chemin que pays a pris. Merci un peu. Parfait. Non souci pédagogique, bah quoi t'as rien puis bon façon de commencer l'émission ça je dis sinon que Mande Kazir par exemple, comme jeune garçon, la politique le dit vous. Moi levé dans un pays côté que yo apprendre mon jeune qui a levé pour yo peuple politique. Moi levé dans un pays côté en pile fois yo garder politique là tant qu'on la boue ou bien tant qu'on charbon n'importe jour manuel ou sale quand même. Moi apprendre prendre engagement dans politique au fur et à mesure. Moi a commencé engagement l'aime de l'école de l'école lycée Toussaint et nous tous nous connaissons quelle situation que le lycée a évolué dans le pays. Nous avons commencé par prendre conscience de la réalité immédiate, de qui ça qui révolte là-dedans, qui ça qui t'a dû changer. Et c'est comme ça que moi commencé à éveiller l'esprit, commencé à éveiller sur situation communauté. L'aime fini l'école en 2009,
Rapidement, nous avons un mentor, M. Gabriel Bien-Aimé, qui était invité à rejoindre l'équipe campagne, les salles de vie candidat et pour président. Et tout au cours du parcours universitaire, moi, j'apprends plus engagement. Donc, ça vient apprendre, ça vient permettre que je développe une conception PAM de politique. Mba wel même j'ai avec un pile reste société a yo wel tant kou on activité de délinquance et ou garder souvent l'élection il y a un pile violence qui fait et qui fait que moun pèl moi crois que politique c'est un espace civique lié politique c'est domaine côté que ou réfléchit sous jodi a réalité que ou vive jodi a là et puis pour projeter l'avenir, le lendemain, pour les générations à venir. Donc, politique, c'est un bagage qui nous. C'est un bagage pour faire dans un bon cadre, dans un cadre institutionnel. Et meilleur côté où capable de faire politique, c'est dans un parti politique. Parce que parti politique, là, il permet que une culture politique ou attaché avec une vision, ou attaché avec un projet, ou à suivre une idéologie. Ou capable de plusieurs courants dans en de parti politique là. Moi-même, je suis un monde qui est très attiré par le courant écologiste. Et en dans MTV, il y a un courant progressiste radical que m'y en pile appréciation pour lui. Donc, regard moi de politique est différent de regard en pile l'autre monde parce que moi appartenu à une autre génération, moi apprendre à garder politique là en l'autre gens. Les m'a entré dans politique. Il y a un pile monde qui était découragé. Les map candidat en 2015, il y a un pile monde qui était découragé. Il pas pensé que on était capable faire gros ces combats ça à 26 ans et même lorsque en 2019 à bon côté docteur Boulos, on bonne l'autre jeune garçon, jeune femme, l'autre monde, l'autre entrepreneur, l'autre monde dans l'autre catégorie sociale, nous t'a monté MDV, un pile monde était craint pour moi pour gros engagement, moi apprend dans politique. Même tu es sûr de yon bagay. Politique là, jodi a, en Haïti, li besoin pour nous faire on l'autre jour. Li besoin pour que pratique que nous gagnons depuis plusieurs décennies, faut que nous changions. Et pour nous changer, faut gagner l'autre monde qui vient avec un autre discours, un autre motivation, avec l'autre pratique pour que nous ouvrions la voie vers la modernité politique. Parfait. Guido Sorel, traditionnellement, il y a une politique là tout quand un exercice qui visait prendre pouvoir. Prendre pouvoir pour faire qui ça? Pour assurer une transformation sociale à travers des idées, à travers un plan qui est généralement bien défini et qui est partagé par les gens qui ont la même structure politique. Est-ce que c'est ça qui justifie l'idée ensemble nous pour aller à l'apport de paix? Pour moi, pour la question, il y a une chose que je ne voulais pas commencer à dire. Je dis à nous bon discours qui s'est émergé en jeunesse pour l'autre classe politique. Mais l'autre classe politique, là, veut dire qui ça? C'est parce que d'abord, nous faisons un constat, et après constat, nous faisons étude sur la politique traditionnelle là, et nous exposons nous, historiquement, nous parlons de lui depuis 1804, après l'indépendance, et pour nous arriver, je dis à là, en 2023. Nous commençons pour nous dire qui ça? Et je sais que tu es gourmet pour te bâtir l'indépendance. Et après l'indépendance, des salines te font déclaration qui est très fort, côté il dit que l'indépendance n'a pas servi un groupe de monde, mais que l'indépendance a servi tout le monde. Après la déclaration de Salines, Haïti vient libérer 1804. Gros bagay qui était attiré attention comme nèg qui sorti dans l'Ouest. Côté que 18 novembre 1803, c'est cette qui a une grosse bataille et ces dernières batailles qui t'a accouché l'indépendance là. Les Salines te font choix. Les Salines pas contre tête la main indigène là, il était choisi qu'après la mort nèg Nord-Ouest, nèg Delonné et Avertière qu'après la mort malgré trois tentatives que le défait pour le attaquer Fauvertière malgré le perdu 3 canons soldats lui qu'après pas de jambe découragé et il pas de jambe senti nécessité pour le reculer il était avancé il était attaqué Fauvertière et Haïti était venu libéré après indépendance nous venons constater en 1806 Dessalines assassiné mais Dessalines assassiné c'est parce que il était venu comprendre que sa vision mission indépendance là pas avancer et la façon que le supposé avancer parce que le devine comprendre que bon groupe moun qui toujours parce que et existe trois sortes d'esclaves t'es gay esclave à talent esclave déchet esclave domestique mais c'est que bon groupe moun qui kembon un groupe non chacun pour travail
Ça veut dire que Dessalines comprennent toujours qu'on sort d'esclaves. Puis Dessalines arrive dans le sud, Dessalines finit racheter tout chacun, craser tout bagaille. Et puis après, il retourne, il te dit après, ça me saute faire dans le sud. Si Nexa ne va pas tourner contre moi, c'est que Nexa ne va pas mourir. 17 octobre 1806, Nexa a assassiné Dessalines. Et le pire, Nexa a fini assassiner Dessalines, Nexa vient comprendre que vision que Dessalines a nourri, pas a nourri seulement dans Dessalines, il a nourri dans Capral Amor. Et ça fait deux jours après, 19 octobre 1806, Nexa a assassiné Capral Amor. Et après assassinat Capral Amor, Haïti est divisé en deux, Christophe dans le nord et Pétion dans le sud. Mais est-ce que je dis, malgré tout ça Christophe t'a fait comme bagaille qui extraordinaire, mettez l'école, mettez l'hôpital, mais est-ce que je dis, ça t'a vraiment, bah, on, comme on a dit, bah, payé en l'autre direction. Bon, malgré tout ça, il n'y a pas de jambes arrivé pour l'autre direction parce que pas de progrès dans la division. On regarde, après assassinat de Saline, Dr. François Duvalier n'a pas parlé très rapide. Tu es venu prendre pouvoir avec un régime de dictature. Mais je veux dire, est-ce que c'est dictature ou bien démocratie qui te, qui, est-ce que c'est dictature qui t'a amené nous au port désiré? On dit, je veux dire, monsieur, tu fais une déclaration qui est forte. Côté, il te dit, ou pas qu'à qui ton peuple qui pas contre côté pour aller décider, de te mener nous en dictature. En 1985-86, des électeurs pour René Théodore, Raoul Cédras, les François Maniga, Liane Perpol, pas qu'à l'autre monde capé, nous avons dit, bon, qu'est-ce je dis à plus gros bien qu'un peuple qui a bénéficié, c'est la liberté d'expression. Il faut que le peuple a joué une chance pour que le parle dit ce qu'il veut. Par exemple, si je dis que je veux offrir M. Kazir un cadeau, mais d'abord, pour m'offrir un cadeau, au moins, il faut que je connais qui ça que le remet. Et puis, je te mette ensemble, je dis que faut que nous changer le système de dictature là pour nous entrer vers la démocratie. En avance, vous nous dites vraiment qu'à 26, si vous coupez face à chaque régime de dictature là, vous mettez en démocratie. Mais je dis à parler de la démocratie, c'est parler d'une éducation sûre parce que on dit je dis on pas qu'à dire on peuple la vivre en démocratie et peuple là même par contre ça veut dire la démocratie mais je dis on pense véritablement c'est un travail qui était fait parce que véritablement je dis on nous comprendre que mon yabzou bouche moins pour moi et des pour la police ça explique clair que je dis on pense et nous ne pas comprendre démocratie on avance pour nous dire non et démocratie dans démocratie que on a parlé là. Je dis à nous venir joindre et que mon nan dit il utilise la démocratie pour le faire comprendre que il y a un pouvoir pour le dire mon salut. On nous change là pour nous avancer. En 1991 pour 92 élection démocratique était organisée pour te mettre Jean-Marie Aristide comme président pays d'Haïti. En avance pour nous dire élection s'est organisée dans l'idée pour et que yo te mettre Haïti sur l'autre direction. On dit de 91 à 2023 ça fait au moins 31 ans. Depuis que l'élection s'est organisée dans l'idée ça. Est-ce que je dis à Haïti changé? Est-ce que je dis à ça que tu as fait dans le passé? Tu as bien fait? On regarde ça. On dit. Supermettre, M. Sorel. Est-ce que le rallye historique ça a fait? Parce que c'est très important dans le cadre de la dynamique de discussion que nous avons aujourd'hui. Est-ce que d'après vous-même, c'est lui qui justifiait la fondation, le mouvement ça, qui s'est ensemble nous parler dans le port de paix? Bon, je vais finir pour expliquer qui ça fait même nous prendre décision pour nous monter le mouvement. Et. Après l'élection, on a dit nous avons 31 ans depuis que nous venons vivre un système et nos pays démocratiques. On a dit est-ce que Haïti a changé, non? Est-ce que ça que tu as fait passer, ça que tu as fait l'OTAN, nous avons critiqué, est-ce que vous n'avez pas fait encore? Mais ben, c'est au lieu que ça a changé, ça a venu plus mal. On dit qu'on y a 31 ans, côté que l'indépendance n'a pas abandonné l'autre Haïti, la dictature n'a pas abandonné l'autre Haïti, et il y aurait abandonné la démocratie, il n'a pas abandonné l'autre Haïti. Mais la question qu'on a, on t'a supposé poser tête, je dis à une grande bagarre qui est carbone dans notre Haïti, c'est émancipation jeunesse pour notre classe politique. Pour notre classe politique, comment? Je dis à n'a pas parlé d'émancipation jeunesse, je dis à n'a pas parlé de politique. C'est ça qui fait une grande initiative pour réunir toutes les jeunes dans l'Ouest, parce que je suis coordinateur de l'association jeunes dans l'Ouest à Géno, et puis non fait activité sociale, et puis nous venons commencer à constater politique là, fonctionnement politique là, et puis. On fait moi-même avec M. Gervais et Edison qui me salue. Nous sommes ensemble. Nous disons, mais pour qui ça nous parle de mouvement politique? Côté que dans le mouvement, ça a orienté les jeunes vers notre direction, vers notre compréhension politique. Et puis vraiment, nous disons, bon, c'est à tout un plaisir. Et puis nous mettons nous ensemble, nous montons le mouvement. Pour mettre une bagaille que nous, l'idée même qui fait nous monter le mouvement. Je dis à la vie de nos pays, côté jeunesse, ça ne comprendre sa politique. Côté jeunesse, là, même Jean, M. Kazir a dit tout à l'heure, comprendre des points impliqués dans la politique, c'est préparer ce qu'il y a d'avance. Mais on dit, je dis, si Capral Amor, pas de paix, attaquer Fort Vertière, malgré trois tentatives,
et que pour déjeuner l'indépendance, je dis à nous pas taper l'indépendance. Ça veut dire que je dis à fort que nous mêmes comme jeunes nous mettez tête nous ensemble pour que nous impliquer pour nous gouverner. On dit mouvement ensemble nous pour aller, ce mouvement qui créé dans l'idée pour réunir tous jeunes ensemble. D'abord pour font information pour former l'esprit sur ça qui a rapport à politique pour faire comprendre qui sa politique là est et qui importance que doit ben politique là dans et pays là, parce que tout ça qu'a fait dans pays, tout fonctionnement pays là dépend de la vie politique pays là. Et moi c'est nous grand mouvement l'idée c'est mettre mouvement dans tout département dans de ça, mais moi c'est nous déjà Jean Abel, nous déjà Jean Sol, nous bassin bleu, mais c'est n'a pas avancé dans les jours qui viennent, c'est n'a prouver tout département. Parfait. N'a pas poursuivre avec l'émission et avec Schultz Simsi Kazir, nous pour regarder qu'on y a d'autant que dans discours tout à l'heure parce que si mon a lit entre les lignes, il regardait que bon ils font une nouvelle proposition, on vit proposer en politique de rupture par rapport à ça qu'on fait longtemps, par rapport à ça globalement les politiques traditionnelles. Mais est-ce que pour faire rupture ça que vous parlez là de manière voilée dans la première intervention là monsieur Kazir, est-ce que ça t'a demandé que nous couper fâché à conseiller de modèle? Est-ce que ça t'a demandé que nous couper fâché à conseiller de monde qui a fait politique dans le pays depuis plus passé 25 ans? Bon, écoute, je vais me préciser un bagage. On a parlé de émergence jeune dans la politique, son bagage qui est normal. Dans toute société, et surtout dans la société haïtienne aujourd'hui, côté que 70% de monde qui a moins que 35 ans, émergence jeune dans la politique, c'est un bagage que nous devons faire promotion pour lui chaque jour. Ça fait me penser à 9 août 2015, jour que y était organisé élection députative et sénatoriale. Yo. Nous sommes sur radio Caraïbes, moi t'ai dit il faut dégangsteriser l'espace politique haïtien. Donc de façon plus large, me devrais dire que faut que gens que nous a fait politique, monde qui a fait politique dans pays a faut que nous repensions. Et depuis l'homme t'ai gagné une sorte de motivation en 2015 et jusqu'à janvier 2019, moi fait un pile sensibilisation auprès d'autres jeunes pour entrer dans la politique. D'abord, j'ai fait une tentative avec d'autres amis. Nous avons créé un espace qui est allié à Haïti, qui était regroupé seulement jeunes qui voulaient faire politique. Mais maintenant, engagement, moi, l'Itébral prend une autre ampleur lorsque moi commence le 23 février 2019, nous fait première réunion qui était bral bail, ça que nous allons jeudi à MTV Haïti. L'on a parlé de rupture, moi-même m'a parlé de émergence de une nouvelle classe politique. Moi ouais là-dedans trois catégories moun particulièrement. Moi ouais de moun qui dans diaspora mais de citoyens globalement dans élite économique, élite sociale, élite intellectuelle pays qui pas jamais impliqué dans politique. Moi ouais femme. Engagement femme dans politique très important pour que nous faire promotion en Haïti. Parce que souvent, mesdames, vous avez une pile d'idées, mesdames, vous formez tout, mesdames, vous faites moins de violence dans l'élection, mesdames, vous faites moins de corruption les dirigés, et il y a des études qui montrent ça. Mais surtout, moi, ouais, engagement jeune, de façon générale. Et jeune, il y a jeune dans toute catégorie. Pour qui ça particulièrement, nous capables de parler d'émergence, une nouvelle classe politique avec jeunes? C'est pas forcément, c'est pas seulement vle di intégrer parti politique. Li pas seulement vle di participer nan activité politique. Li vle di lo intégrer espace politique là ou pote l'idée ou. Ouais MDV, MDV émerger avec idée on bonne jeune garçon, jeune femme. En pile moun pa konn histoire émergence parti a. Mais les partis a émergé, c'est pas docteur Boulostan qui impose qui pose toute l'idée de A à Z ou bien qui impose quoi que ce soit. Et MDV, c'est le parti de la jeunesse. L'MDV, MDV c'est le parti de la jeunesse, il dit un, c'est parti qui est plus jeune là-dedans et c'est parti côté que jeune yo réellement yo gen pouvoir de décision. Donc, l'a intégré en même temps que m'a intéressé jeune yo pour intégrer politique, mais m'a dit nous les nous venir faut notre idée nous parce que jeune yo yo gen regard de société a. Jean que pratique politique dans pays a qui pas pour résultat qui duré 20 30 40 50 ans dernière année là nous mêmes nous pas envie faire politique là comme ça jeune yo ouais politique là et veulent faire politique là dans un cadre institutionnel donc en dans un parti politique yo ça que yo jodi a et que en pile moun yo reproché yo mérité améliorer mais cette amélioration doit venir aussi des jeunes qui apportent leurs idées,
qui portait conviction yo dans politique là tout. Vin dans espace politique là, c'est pas forcément pour suivre un monde. C'est pas forcément parce que gagner un courant là ou penser que ou capable profiter pour fond émergence économique ou émergence sociale. Je dis à plus que jamais nous besoin en classe politique qui ouais le pays en premier. En classe politique qui gagne qui fait preuve de vrais patriotes et jeunes yo yo envie de vivre dans le pays yo. Jeunes yo comprennent que Haïti que nous te gagne nous hérité jodia nous pas obligé quitter même Haïti ça pour génération qui va venir yo. Et engagement nous s'il fait sous base de motivation citoyenne engagement nous dans la politique là est capable d'aider nous moderniser la vie politique là. On ne peut pas, excusez-moi, on ne peut pas moderniser la vie politique avec les vieilles idées. Donc la jeunesse représente aussi l'innovation et les jeunes ont beaucoup d'idées de comment organiser un parti politique aujourd'hui. Et en pile fois que invité dans émission ou bien en conférence pour faire université, c'est parce que engagement capable de servir d'exemple et au sein de MDV, il servit exemple pour montrer comment que idée jeune, conviction jeune, capacité que jeune gagne pour organiser, c'est capacité que jeune yo gagne pour montrer tout que au sérieux dans ça qu'il a faire, yo capable projeter l'avenir, yo capable aider préparer l'avenir, il servit d'exemple et m'a profité de micro TNH là encore. Pour moi mander jeune yo impliquer nous beaucoup plus dans la politique là. Je dis à espace politique là, il est envahi par de monde qui pas forcément à la hauteur. Monde qui vient dans parlement, monde qui vient dans l'autre espace de décision. La jeunesse universitaire formée aujourd'hui, jeunesse qui a évolué dans organisation yo. On comprend l'activisme social, il y a une limite. Mais nous revenons jodi dans Kafou, jodi a côté que politique là prend pays en otage, nous besoin changer pratique politique yo, nous besoin gens nous faire politique là, mais pour cela vous autres qui aimez ce pays, nous même qui voulez ouais pays a changer tout bon, nous pas qu'à changer pays a si d'abord nous pas changer façon nous faire politique. Et nous aime toujours dire, une première institution pour nous moderniser, pour nous rendre fort, solide dans le pays, c'est parti politique. On ne saurait moderniser la vie politique en Haïti avec les vieilles idées dans tout discours qu'on a prononcé. Tu as parlé de l'émergence d'une nouvelle classe politique, ou parlé de changement pratique politique. Est-ce que nous avons fait ça lorsque nous associons à des mouns qui, en pile fois, participaient pendant 10, 15, 20 jusqu'à 30 dernières années dans mettre côté nia dans association ou à des monde qui fait politique dans pays a dans engagement que prend dans vie politique pays a. Donc est-ce que association ça pas fait que un paradoxe qui ressorti lorsque je dis on a parlé de modernisation de la vie politique en Haïti Kazir. Permettre que me font petit témoignage tout petit devant caméra TNH. Allez-y. Les MTV a émergé en 2019 avec un discours de l'implication des jeunes et dans la politique. Et on avait un discours qui bousculait un peu et cette classe et politique qui menait à l'effondrement, qui en panne et d'alternative, qui en panne et d'inspiration. Mais on compte que ça, moi, je compte, après 4 ans d'activité politique intense, ça a une grande inquiétude, ça crée la carrière, un stress. Moi, je me prends la venue du pape en Haïti comme point de repère pour me parler de crise politique là. Il y a des gens dans le pays qui ont 40 ans de pratique politique, ils ont sous table discussion, ils ont cherché solution à la crise politique. Là. Et voilà que moi-même, je moi voulais émerger avec un discours, côté moi-même, je parlé de progrès économique et social. Je parlé de réforme des structures de sécurité de ce pays. Je parlé de réforme de l'éducation. Je parlé de doter enseignement supérieur là de une loi qui est capable orienter, qui est capable encadrer et travail et professeurs universitaires, la recherche, l'innovation. M'a parlé de réforme de la protection sociale en Haïti. M'a parlé de tout ça qui est capable de créer plus de travail dans le pays. Et voilà, depuis 4 ans, dans différentes discussions, m'a participé ces discussions sur crise politique là. Inquiétude et stress que ça bombe. M'a demandé si dans 15 ans, dans 20 ans
m'a pas bien même discours ça toujours. Ou bien si jeune qui va émerger dans politique, c'est pas même discours ça que nous pral kembe jodi a. Donc le discours de l'émergence des jeunes dans la politique, li pas un combat frontal en face moun ki té là déjà yo, c'est pas en façon pour nous dire yo retirer quoi nous net dans espace politique là et quitter uniquement pour des jeunes. Moi même penser que c'est un pont qui doit se faire. Un pont entre les anciennes pratiques, la classe politique qu'on appelle et dite traditionnelle et la modernité politique. Et ce pont-là, c'est jeunesse-là qui a assuré, jeunesse-là qui a apprendre de l'expérience de monde qui passait. Ce n'est pas tout le monde qui passait ou qui est malhonnête, qui n'a pas de résultat et que nous ne pouvons pas compter sur eux. Nous avons des gains que nous sommes capables d'apprendre de eux. Mais tout aussi, mais en apportant nos idées, en apportant notre conviction, engagement nous capable tirer, nous capable inspirer de quelqu'un dans yo et nous-mêmes pour nous capable faire chemin nous. Donc c'est en façon pour me dire que en pile fois yo dit que grand monde yo échoué, en pile fois discours émergent jeune dans politique là son discours de pour balayer classe politique là net, mais je dis à moins gagner plus sagesse pour que moins tempérer discours un petit peu, parce que moi-même mon minimum d'expérience que me cap parler avec l'autre jeune qui a rentré dans politique. Faire politique en Haïti extrêmement difficile. Parfait. Faire politique en Haïti mandé pour gagner en pile pour que gens que nous capable dit faut qu'on gagne nanan li mandé faut qu'on pas joindre expression peut-être que m'a dit li après, mais c'est pour me dire jeune yo que attend nous à des difficultés, attend nous tout à ce que nous fait face à un pile obstacle, mais surtout il faut toujours faire preuve de détermination et que toujours qu'on est que si vous avez une grande détermination, si vous voyez la politique comme une passion, si vous avez nous qui voulons faire carrière dans la politique, même gens moi-même, moi choisis faire carrière dans la politique. Je ne vais pas tomber dans la politique un jour. Je choisis pour me faire carrière dans la politique. Et je gagne tout un parcours qui mène là, de engagement à l'école, l'engagement dans l'université, passer comme membre du conseil de l'université d'État d'Haïti, passer comme jeune ministre des droits humains et de l'emploi dans le gouvernement. Mon jeunesse, président d'association, passé par candidat bonheur pour m'arriver dans tête en parti politique en 2019. Je dis à un secrétaire général li. Donc ça, et oui, moi je veux un mot que m'tap cherché à, m'tap dit faut qu'on gagne fiel. Mais surtout, m'envie dit tout jeune, faut qu'on gagne une vision de changement pays a. Faut qu'on apprenne ouais Haïti a on l'autre gens et ouais ou comme un acteur, une actrice de changement pays. Merci Kazir. Et n'a traversé avec Guito Sorel dans même discussion n'a fait là sur approche générationnelle dans affaire classe politique là, une classe politique que nous relé, une classe politique traditionnelle et une classe politique que nous ta relé entre guillemets, une classe politique moderne. L'en garde constat ça, grand pile monde qui qu'on estimait particulièrement des jeunes qui estimaient que y a pas baïe place dans vie politique là. Est-ce que ou même ou quoi que vie politique là, c'est monde qui prend place là-dedans, ou bien c'est tant yo ouvert porte pour yo pour entrer là-dedans, qui position sous en question comme ça Guito Sorel. On t'a commencé par répondre Jean ou finir. Je dis à n'en n'importe ça va faire dans la vie, pas gagne monde qui baille monde place. C'est ou même qui crée place pour. Et monsieur Kazi t'a parlé tout à l'heure, t'a dit que je dis à c'est pas tout le monde qui est dans politique traditionnelle la vrai qui te gagne mauvaise foi bien malhonnête. Mais je dis à pour changer un régime politique, pour changer un système politique, pour une bagarre même comme jeune m'a proposé, c'est changer façon que va prendre nous d'abord dans pays. Parce que me senti toute crise que pays a connait là, son sentiment de fierté que nous pas gagner la caille nous et qu'on y a ça vient mettre dans tête nous, ça vient pas mettre dans tête nous volonté pour que nous vivons ensemble. On dit un bagarre qui assez important. Je dis à nous pendant m'a parler de système éducatif là, je dis à nous gon l'état qui ban nous éducation. Et leur garder origine éducation que urbaine ou éducation étrangère. Mais je dis à d'abord on parle de pays là,
histoire pays pas gagner là moun ki l'école yo pas joindre ça veut dire pas aucun moun ki l'école jodi a qui bien connaît histoire pays d'Haïti pendant ce temps gagner des étrangers qui mieux connaît histoire pays d'Haïti parce que nous même comme haïtien jodi a pense véritablement premier grand bagage qui ca vienne avec changement premier ça que me proposer qui ca vienne avec changement c'est fond système éducatif à l'haïtienne et je pense véritablement ce sera une voie sûre pour la libération de l'esclavage mental parce que jodi a américain qui pas agi contre les États-Unis c'est pas comme on dit et méchant ou pas méchant il y a des bagages qui passent dans pays étranger qui plus dur que ça qui passe à Haïti mais jodi a qui ça la majorité d'entre eux yo essayer conditionner l'esprit yo sous la fierté américaine mais je dis à ça qui y a un gros problème nous c'est parce que l'esprit nous pas formé l'émotion est quasi non on t'a quitté Guito fini OK tout à zomba tout à l'heure que m'ta me rebondi sous lui après l'esprit nous pas formé sous la fierté haïtienne nous pas apprendre nous remer frère nous parce que je dis à y a un constat que nous ka fait à la base on dit ben mon on va fonctionner bon côté et puis le garder que on va fonctionner mieux passer il pas jamais moi que pour le prendre comme exemple, mais qui compte sortir, mais qui compte mais qui compte vouloir aller. Mais là, pour véritablement, c'est des tupides de tout. Ça veut dire qui ça? Je veux dire, nous pas apprendre à vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est depuis qui compte l'absorption depuis l'origine. Là que nous, l'école, je dis, non, mais qui ça a étudié? Mais qui sacrifice qui fait pour nous bénéficier de l'indépendance? Et si sacrifice ça a fait pour nous bénéficier de sol, ça, il y a une grande bagaille. Il faut que nous conditionnions l'esprit nous pour que sol, ça, nous ait fait que nous avons venu, nous vivons bien. Et ma fond approche pour nous dire que. Il y a une grande bagaille encore pour changer. Façon que on monde choisit de décider pour aller à l'élection. Oui, la France n'est pas de citoyen engagé qui a choisi aller à l'élection. Mais nous, il y a une société française qui est formée, qui dit, mais qui est ensemble de monde qui a gagné, qui a représenté et société française. Mais Haïti, pas de balise, ou pas de balise, ça n'a pas de problème. Mais je veux dire, est-ce que l'esprit haïtien, il est formé, il dit, bon, mais qui sort de monde même qui t'a supposé diriger mais ça vient baie que nous même qui mieux formé dans pays là nous même tout qui gagne pour nous et fait partie conseil électoral au moins nous ta commande minimum non c'est pas parce que tout le monde pas ici tout le monde pas gagne même droit non c'est pas parce que égalité chance avec égalité condition pas respecté non mais minimum non c'est pour que permettre même monsieur Kazi t'a parlé tout à l'heure et que monde qui vient en place décisionnel c'est des monde qui qualifié qui compétent et qui comprennent et ça qui politique là parce que je dis à majorité monde qui choisit porter tête yo dans politique c'est des monde qui lève bon matin qui gagne habitude poser action sociale qui gagne habitude soit faire un monde garder un bagaille et très facile et puis monde ça choisit dit tête bon c'est mieux sexiste monde qui juste rien même pour ça que m'a fait bon choisir porter tête moi mais d'abord pays pas qu'à faire dans condition ça penser pour avenir un pays pas qu'à dépendre de n'importe monde mais penser pour avenir nos pays doit dépendre des monde dans pays qui formé dans plusieurs domaines qui comprennent et que qui mais qui côté nous et mais qui côté nous voulait aller alors si que majorité monde qui choisit qui rive dans tête et l'état c'est pas des monde qui comprennent et que mais qui côté pays a sorti mais qui côté pays a mais côté nous voulait aller parce que véritablement nous pas qu'à espérer l'autre pays et pour laisser ces gazer faire intervention sur ça me dit m'a fini pour me dire que je dis on a grand bagaille qui pour commencer dans restaurer pays a nous sommes j'aime d'inviter midi on te poser mon question je te demande comme monde qui choisit faire politique comme monde qui prétend dit tête que li vle intégrer l'état au niveau et parler l'état et pouvoir l'état là qui pi gros rêve qu'on gagne même et puis me te dit mais d'abord je dis à moi c'est intégrer pouvoir législatif c'est suivre exécutif et faire loi mais je dis à regarder en Haïti il est clair que nous avons beaucoup de lois mais malgré toutes ces lois cela n'empêche pas que nous sommes continués à partager dans la méconnaissance et dans l'irrespect des lois je dis à on dit véritablement notre tribunal c'est loi va respecter avec je dis à comme monde qui a une vision d'abord pour comme monde qui a une vision d'abord pour participer et non faire loi ni non suivre exécutif mais je dis à si loi va respecter moi c'est il y a toute une première chose à faire d'abord c'est participer de la restauration de l'autorité de l'état je dis à nous avons l'état qui est faillite nous avons l'état qui est faible mais je dis à faiblesse l'état nous pas qu'à arriver pour nous faire travail et sous loi d'abord mais d'abord faut que nous mettons ensemble pour nous dire en rend que l'état on l'état fort en rend que justice sociale là li fait dans toute égalité avec équité en rend que pouvoir judiciaire là pas dépendre
de ni exécutif ni de législatif, mais le pouvoir judiciaire là, son pouvoir qui est autonome, son pouvoir et que qui a accès pour et qui a toute grosse décision qu'il prend pour le travail sur et que lui après décision côté et que la mettez tout le monde égal et que de justice là a venu joindre le monde qui mérite. Merci Sorel, et m'a rappelé pour tes spectateurs et tes spectatrices télévision nationale que moi dans démarche qui t'ai invité à parler parce que je crois que par exemple comme jeune garçon qui a fait politique dans le pays là, c'est pas facile que joindre d'espace pour exprimer et c'est une raison qui justifie chaque fois soit Sorel ou bien Casier j'ai une opportunité pour exprimer position sur son sujet yo fait li et pas gagner trop intérêt dans couper yo pour moins fait que yo pas fini l'idée donc c'est dans démarche ça que nous aujourd'hui a d'ailleurs ce sont nos invités et c'est à raison que nous baillons le champ libre pour exprimer pensée par rapport à exprimer pensée oui. Champ libre pour exprimer pensée Casier te gon en réaction sur oui, intervention alors il y a deux bagages que Sorel dit là qui attire attention et que nous devons enrichir. C'est lorsqu'il parlait de éducation et parti politique là sont espace d'éducation citoyenne lié tout. Ouais, c'est espace côté que pour qu'apprendre jeune en plus, là me dit plus, c'est-à-dire que d'accord que depuis l'école, on commence à apprendre ni remet pays, mais surtout éducation qui apprend ni comment comme citoyen pour l'y impliquer et comment pour que li capable préparer pour li capable vignon meilleur citoyen citoyenne qui utile pays li parce que li bali en culture li bali en triture politique tout à l'heure m'a t'entendre Sorel qui a parlé de velléité que li gagnent pour que l'état brigué en poste au niveau du pouvoir et législatif ma konnan ki niveau est-ce que c'est députatif ou bien c'est sénatorial mais constat que me fait moi même particulièrement me suivre les trois dernières législatures. Moi, je me rends compte que le pays a aujourd'hui besoin de meilleurs députés, meilleurs sénateurs, meilleures sénatrices. En pile fois, les gens qui viennent députés, sénateurs, sénatrices, ce n'est pas des gens qui passent vraiment en parti politique, qui ont gagné, ont expérience de militance. Côté que, ils ont fait expérience porter un projet. Et lorsque ils arrivent dans le Parlement, ils n'ont pas représenté une vision de développement du pays. Donc, en même temps que aujourd'hui, on a demandé pour les jeunes intégrer la politique, mais il faut qu'on intègre d'abord avec une conviction, comprendre que l'espace politique là, son espace civique que et lié, mais tout, nous avons besoin que des jeunes, je dis à là, qui ont une culture politique, qui ont une culture politique, mais qui appartenu à une vision, qui appartenu à une idéologie. Ce n'est pas de jeunes qui ont 5 qui fait politique, qui ont parlé de toute bagaille et n'importe comment. Par exemple, si me dit si on jeune ou voulait faire politique, pas qu'un l'autre côté pour faire politique que non parti politique. Je dis ya, ou capable gien pile bagaille me contendre que a reprocher parti politique. Moi-même avant te connait reprocher parti politique de en pile bagaille. Effort que m'a fait depuis 2019 et qu'on bon l'autre jeune dans MDV qui a fait tout. Jimmy Lidésir, le coordonnateur des jeunes de MDV, Dimitri Saint-Just et Daina Jean-Baptiste qui c'est deux porte-parole de jeunes MDVO, Vetson Pierre-Luc qui c'est coordonnateur des étudiants de MDV, nous font effort pour que à travers tout le pays les jeunes, ils ont à tous les niveaux mais tout, ils apprennent pour que demain ils gagnent expérience dans concertation, expérience dans consensus, dans chercher consensus. Haïti jodia, son pays qui gagne pile problème, classe politique là, émiété. Donc ou besoin le plus possible de monde qui fait expérience gérer conflit, nan chercher consensus, nan concerter et c'est dans un parti politique pour y faire. M'a fini pour me dire n'a vivre un moment spécial dans pays aujourd'hui. On a besoin de rompre avec un modèle économique et social que nous mettons en place depuis 1804 qui générait 5 bagailles: inégalité, exclusion, discrimination, impunité, corruption. Je dis à garder histoire Haïti de 1804 à nos jours, c'est 5 bagailles ça caractérise. Donc ce sont les 5 caractéristiques du système. En 86, nous devons casser le système là. Son premier pas dans la bataille qu'a fait. En 2004, son autre pas. Je dis à nous non kafou, mwen le kafou changement, kafou pour nous changer pays là. Je dis à plus que jamais en Haïti, nous besoin faire preuve de conviction, mais nous besoin faire preuve tout de esprit patriotique
pour nous réaliser la grande entente nationale et doter le pays de un plan 30 ans, 2024-2054, pour nous faire l'autre expérience. Expérience stabilité politique, expérience bonne gouvernance, expérience de croissance économique continue, mais surtout une croissance partagée. Parce qu'en pile fois, richesse pays a les concentrer dans un petit groupe monde et puis dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince seulement. Donc, engagement de son façon, pardon, oui, ma prend une minute pour me finir seulement. Son façon pour me dire, jeune, je dis, a, si nous pas rentré dans la politique, nous pas qu'à rentrer dans la politique avec pour nous continuer le système. Il faut que nous rentrions dans la politique, je dis, a, avec un esprit révolutionnaire, avec un esprit qui demandait justice sociale, qui demandait que nous redistribuions richesse pays avec tout petit pays. Il faut nous rentrer dans la politique avec conviction que Haïti, ça que nous héritons, c'est une unité pour nous construire. Entre unité entre Haïtiens qui sont dans la diaspora et Haïtiens qui vivent ici, entre Haïtiens la ville et Haïtiens qui vivent dans différentes villes provinciales, entre nous dans toute catégorie sociale. Donc, il ne suffit pas de dire que nous voulons jeunes dans la politique. Il ne suffit pas de dire que les jeunes doivent émerger dans la politique. Mais je dis, mais il suffit aussi de dire et de souligner à la forte que nous avons besoin d'une nouvelle classe politique qui est capable de porter changement tout le monde dans le pays. En question directe, quasi pour traverser Baye Sorel. Et je dis, vous êtes candidat en 2015, dans l'élection législative 2015. Yo. Je dis, est-ce que l'engagement est limité à aider jeunes, encadrer jeunes dans MTV Haïti? Est-ce que l'engagement est limité à pousser de l'autre monde à le candidat ou est-ce qu'on va pour un candidat dans la prochaine élection? Ok. Nous sommes tous les gens qui tirent les leçons de l'erreur que je fais. En 2015, nous tirons pile leçon de l'expérience ça que je fais comme candidat. Je n'ai pas fait assez de campagne pour me gagner. Il faut être honnête pour me dire. Même tu es mal perdu. L'élection est mal organisée. Je n'ai pas tant dans une structure politique côté que nous te joignons un encadrement idéologique. Je n'ai pas tant dans un parti politique côté vision qui est partagée avec un ensemble de monde. Premier souci, je dis, c'est structurer MTV. Faire les villes en véritable institution. Je dis moi-même, non. Ça veut dire qu'en tant que secrétaire général, je n'ai pas de participation, mais c'est un travail d'équipe. C'est toute l'équipe qui participe à l'institutionnalisation du parti. Vous voyez qui ça va le faire? Ça va le faire que même si je suis candidat, même si je ne suis pas candidat, dans la prochaine élection, MTV a présenté des candidats valables qui représentaient un projet. Parfait. Deuxième bagaille, deuxième aspect dans la question, est-ce que je suis candidat? Moi, j'ai intention pour me candidat, effectivement, et en deux parties, je parle ça avec un pilote, un pilote dans le pays a commencé à connaître ça. Je ne peux pas faire une campagne parce que moi, je veux surtout participer dans une bonne élection et je prépare pour que je sois capable, même avec Sorel, nous sommes capables de faire partie d'une législature qui est performante, qui vraiment pose problème et besoin législatif pays, mais surtout qui pote parole changement dans le Parlement, une parole qui est structurée, une parole qui est entrée dans un cadre, une parole qui rentre dans une grosse boîte qui est en vision changement pour pays pour les 30 prochaines années à venir. Par exemple, moi, pour une émission d'une heure, faciliter ou bien permettre que nous battons bouche avec deux invités, tant que Kazir avec Sorel. Mais il faut nous avancer, il faut nous finir l'émission en bon format. Avant nous finir, 3 minutes pour nous finir, nous ne pouvons pas venir là, nous ne pouvons pas parler de conjoncture comme nous avons gardé la réalité politique du pays. Sorel, je dis, qui regarde sur la conjoncture sociopolitique, là, on a une sécurité qui va le terrain, nos frères et sœurs policiers et policières qui sont tombés en babal bandi. Je dis, hier, le Premier ministre a rencontré 3 membres au Conseil de transition qui lui-même pral gagné pour l'y installer incessamment. Ou le regard de Guito Sorel comme jeune qui est engagé dans la politique dans le pays d'Haïti sous conjoncture là globalement qui s'allie. Et bon, une minute pour me faire une approche. 3 minutes. Bon, quelques secondes pour me faire une petite approche sur l'intervention de M. Kazir là. Et bon, c'est ce que tu as parlé tout à l'heure, tellement important. Candidature, mon jodi a ta supposé un projet de société. Fok et que un moun ki dit tête li candidat, fok li font vision, on pense côté que le Haïti dans 25 ans ka bini. Parce que qui ça lié véritablement?
Je dis à des gens qui disent yo candidat, mandé pour qui ça au candidat ou pas connait. Mandé qui ça veut changer ou pas connait. En plus monde qui dit yo envie intégrer l'état dans pouvoir législatif là, mandé mais OK qui loi avec là qui mérité et abroger qui mérité font l'autre bagage. Yo pas connait, ça veut dire juste c'est des monde qui vont du jour au lendemain qui choisit disons bagage. Même parce que je dis à chaque grand jeune qui a entré dans la politique là, m'a encore invité yo à comprendre qui ça politique là, à apprendre de politique là. À former pour former capital culturel yo sur ça qui gagne rapport à politique et moi c'est vraiment même monsieur Kazier t'a dit tout à l'heure pour que les législatures qui viennent sont législatures qui vraiment utile pays a pour que jodi a nous gagne kidnapping qui existait depuis dans pays bon depuis 2004 bon 2004 qui jodi a dans code pénal là pas une loi qui prévoit qui punit kidnapping et que dit la loi en matière pénale et loi dit pour gagne faction faut que trois éléments réunis et côté légal là qui représente loi prévoit une action parce que l'élément légal là il parle là ça dit je dis ça n'a pas de kidnapping de quartier pour infraction malgré que des bagages qui presque similaires à ça mais tu as supposé qu'on loi véritablement qui parlait d'infraction regard sous conjoncture regard sous conjoncture et sous conjoncture pays excusez-moi et moi c'est pas quelqu'un qui t'a osé espérer on bagage mieux que ça parce que je dis à ni changement ni destruction c'est tout un processus c'est du jour au lendemain et c'est pas du jour au lendemain ça change pour changer on bagage faut bien volonté pour changer mais je dis à moi c'est non dans gens l'état et a fonctionné ça montre et que je dis si nous pas prendre décision tout bon vrai pour que nous changer ça n'a pas le de pire en pire parce que année 2022 a été mal mais année 2023 nous commencer le pire mal et année passée a ça que fait année passée c'est continuité au cas fait là parce que je dis il y a une grande bagarre qui ca permettre ça changer c'est volonté pour que l'état gagne tout bon vrai pour changer ça et puis deuxième grande bagarre nous un pays qui gangsterisé à tous les niveaux je dis par contre qu'un espace monde d'a fait dans pays là pour pas jeune gang là-dedans. Nous sommes récemment les mal de paix, c'est route normal, mais je dis à mal de paix. Faut mal passer. Lien pour nous, t'as pas encore. Elle dit, mais passer juste par Saint-Michel pour nous vivre de paix. Avant, il fait pas de paix encore, gang, puis red. Mais je dis à moi, c'est. Il y a un grand appel que m'a fait avec tout le monde dans le pays. On prend conscience. On dit, je dis à. Moun, wap de tuer aussi fort, c'est sûr. On regarde que. Qui j'en ai mis tête ensemble? Qui j'en ai pris conscience nationale? Pour nous dire, on prend Haïti. Je sais que tu es pour te mettre dans le sang. On ne peut pas payer en l'autre direction. Et moi, si nous ne pouvons pas faire café, nous ne pouvons pas payer en l'autre direction. Si nous avons volonté pour nous unir comme frères, même Jean, l'hymne national a dit, nous avons marché ensemble, et pas de nous marcher ensemble, nous avons gardé ensemble. Qui ça qui mérite de changer? Et moi, c'est véritablement changement. Il a, mais on sait qu'il y a une bagaille qui vous fait appel. C'est conscience et puis union. Et puis laisse un jeune changement. Parfait. MDV Haïti sont acteurs dans le paysage politique haïtien. Dans qui accord nous et qui position globale que nous avons sur ce qui a passé jeudi dans le pays. Est-ce que nous avons 21 décembre ou bien nous avons l'autre accord? MTV très préoccupé par ce qui a passé jeudi dans le pays. Je suis capable de dire moi-même comme citoyen, je n'ai pas senti que ma confiance par rapport à l'insécurité qui est là, par rapport à la vide institutionnelle qui est là, mais surtout par rapport à manque de volonté, ni qui constate, ni beaucoup de monde qui. Dans le pouvoir, ni bon côté de certains acteurs et actrices politiques pour sortir de la crise que nous avons aujourd'hui. Là. MDV a fait une expérience douloureuse dans l'accord 11 septembre. MDV a d'abord voulu que l'accord ait un grand consensus national. Nous avons signé l'accord le 12, nous avons encouragé le Premier ministre à aller dans ce sens. Ça. Malheureusement, ceci n'a jamais été fait, l'accord n'a jamais appliqué. Et à quatre fois, nous avons écrit au Premier ministre pour nous exprimer préoccupations, notamment par rapport à problème de sécurité, par rapport au fait que pour que j'aime des mesures qui prennent pour redresser l'autorité, pour rétablir l'autorité de l'État. Mais je dis, nous avons vivre dans un contexte côté que nous sommes capables de parler de l'effondrement de l'État haïtien, de la faillite consommée de l'État haïtien. Je dis trois choses pour me finir. Un, MTV apprend de Ewell, il passe à l'accord 21 décembre. Nous pas signer parce que pour nous-mêmes, son stratégie 180 degrés liée. 180 degrés, c'est une moitié du cercle. Nous faisons expérience pendant 4 ans. Et MDV témoin, il me passe sur toute table, discussion. Moi, ouais, toujours tout accord qui signe, c'est entre un groupe de monde qui partageait en même et conception, en même vision de transition. Mais et l'autre partie là. Je dis à Sindaga de Montana, Petite Dessaline, Mopod, Gré en avant, AC, Lod, MTV et toute l'autre partie. Vous présentez l'autre 180 degrés, c'est clair. Je dis à pays a besoin d'une stratégie 360 degrés
c'est-à-dire une grande entente nationale. Mettez tout le monde autour de cette table ronde pour choisir, pour sortir de la crise. Deuxième, ça m'a dit, si nous ratons 2023, pays a bral connaît 10 ans crise, même j'aurais été raté 2010 là, et que nous connaît en pile année de crise. L'aime dit 10 ans de crise, alka plus, oui, même dit 10 ans de crise au moins. Parce que ça qu'a dessiné là, si dans le fond consensus, si dans le fond réforme constitutionnelle, sans un consensus national, si dans le fond élection, mesdames, ou élection piqué-collé, ou élection dans Jean que l'on fait encore, eh bien cette élection sera tout simplement une source d'instabilité pour les 10 prochaines années à venir. Si nous faisons sans réviser la constitution, nous allons obliger faire élection en 2027. On tire le Sénat selon l'article 95-3 de la Constitution. On a fait élection en 2027 pour maire et pour président. On a fait élection en 2028 pour l'autre. Pardon, on a fait élection en 2028 pour président encore. Et on a fait élection en 2029. Donc, nous allons faire 5 élections avant 30 ans, avant 2030. Le pays n'est pas capable de prendre ça. Donc, en aujourd'hui, à là, la classe politique joigne la formule pour nous chita autour de une table. Et le Premier ministre Ariel Henry a une grande responsabilité dans ce sens-là, en tant que jeudi à monde qui est détenteur de l'exercice du pouvoir. Ma petite troisième bagaille, et pour me finir, c'est un appel à tous les jeunes. Pas entrer dans la gang. Pas de rien qui est capable de justifier qu'un jeune va entrer dans la gang ou le faire kidnapping. Je demande nous pour que, même j'ai avec le sociologue et Meki Dil, appliquer ce que j'appelle l'optimisme tragique. Malgré que vous vivez dans une situation difficile pour aujourd'hui, là, ou qu'à sortir, en plus le monde passe par là aussi. Jeudi, ou ka réaliser rêve, même j'en pile moun réaliser rêve pa yo. Nous besoin pile moun qui réussit dans pays ya, mais nous surtout besoin des jeunes qui réussit dans politique. Jeunes qui a pran chemin politique yo, pran chemin politique là, mais connaît que son activité sociale. Pas prendre parce que voile suivre un courant pour bénéficier d'un petit bagay. Ou ka bénéficier jodi ya, mais et demain et pays ya. Entrer dans parti politique qui capable inspirer confiance. Côté quoi appartenir à un projet, nous pas voulons dans le pays encore de partis politiques qui tournent autour de un monde, qui tournent autour d'un clan. Léo dit un parti politique qui appartient à un monde. La MTV, c'est un engagement, mais c'était tout une motivation dès le départ pour que nous ne créions pas un parti qui tourne autour de un monde. Et je dis à MTV son exemple. MTV est totalement indépendant et autonome par rapport au président fondateur li, qui est Dr. Boulos. Et toute décision que nous apprenons je dis à comité de gestion parti après en toute autonomie. Je vous demande d'intégrer la politique. Je vous encourage à intégrer l'espace politique. Venez avec idée novatrice nous pour que nous changer Jean monde fait politique dans pays et pour nous arriver changer Haïti. Si ce pas dit que Haïti pas qu'à changer. Haïti qu'à changer si nous toutes, si nous voulons, si on majorité d'accord pour que nous changer pays. 2023, c'est carrefour changement que lié. On nous continue à combattre pour nous sortir de la crise politique là, pour nous faire expérience de 30 ans de stabilité politique, 30 ans de croissance continue, 30 ans de bonne gouvernance pour nous mettre sécurité dans le pays, créer travail pour que l'espoir n'est pas résumé à un visa encore pour que nous soyons capables de créer une société d'opportunités, une société côté que chaque jeune capable d'une chance pour réussir socialement, économiquement. Pas bien dit nous besoin d'une génération de jeunes qui réussit dans la politique. Merci en bien. Merci Kazir, c'est un plaisir pour nous de gagner aujourd'hui dans l'émission Mise au point. Nous passons une bonne chance pour nous parler encore parce que dans pile bail pour parler. Merci en pile. Merci et moi était à disposition nous, on très envie tourner encore pour nous capable continuer parler de surtout de conjoncture politique là, de lecture MTV de conjoncture politique. Là. Parfait. C'est évident que ou chercher causer pour dit toujours Guito Sorel mais bon, faut le finir, c'est principe émission. Hein. Merci d'être côté avec nous et nous espérons que nous avons l'autre opportunité pour nous faire un petit bas de bouche, particulièrement dans la télévision nationale. Pourquoi pas dans l'autre émission mise au point. Merci télévision nationale, merci à tout le monde qui t'a pris le temps pour te suivre dans l'émission. Merci à M. Gazir pour
intervention yo, ça permet à ce que nous mieux comprendre politique tout, nous avancer dans grandir de jour en jour parce que et même je dis tout à l'heure et capital culturel on supposé enrichi par l'autre côté non parti politique. Moi c'est véritablement moi et remercier tout le monde encore qui était et mettez nous en note pour nous dépasser très normal et remercier tout le monde pour de paix qui était à suivre nous Guido Sorel ensemble nous aller. Merci à vous. Voilà, deux invités matin pour nous faire tibat bouche dans l'émission Mise au point, Schultz Simsi Kazir et Guido Sorel. Kazir, c'est secrétaire général MTV Haïti et Guido Sorel, c'est fondateur mouvement politique. Ensemble, nous allons aller dans Port-de-Paix. Dans pile causé pour nous parler avec invité. Nous, malheureusement, nous n'avons pas gain de temps faire ça. Nous espérons que nous avons une version 2 de l'émission Mise au point. Ça, éventuellement, avec nos deux invités ou bien Youn avec l'autre là, Youn après l'autre. Parce que je dis, nous ne parlons pas avec de modèle dans les affaires politiques dans le pays d'Haïti. Modèle en Haïti, modèle par exemple, ça a passé. Par rapport au fait que je dis à mon lan son petit village global, il y a de l'autre politicien, il y a de l'autre homme et femme politique qui éventuellement t'a inspiré yo pour t'a garder comment yo t'a capable prendre ça yo comme modèle, prendre monde ça yo comme modèle pour venir implémenter en dans politique pays d'Haïti. Nous pas garder par exemple phénomène je dis à côté jeune garçon avec jeune femme à venir yo well en dehors pays d'Haïti alors que yo même y a prôné intégration jeune dans espace politique haïtien, dans sphère politique haïtienne. Autant de sujets que nous n'avons pas abordé matin, hein. C'est normal, c'est évident, puisque il y a pile bagaille pour nous discuter avec vous. Mais si vous même amis téléspectateurs et téléspectatrices qui étaient avec nous, non pas M. Kenly Wilson, m'a commencé par remercier Guerrier, Bernard Nancey, Bolnav, Eddy, Moïse Ulbrich, Hector, autant de monde qui étaient constitué équipe technique TNHA, qui était rendu émission ça à rentrer la caillou. Bon la journée tout le monde sous en direct, bon la nuit sous en différé. Restez branchés TNH pour suite programmation. Bye bye tout le monde.